Donc, au Crédit Mutuel Arkéa, je travaille au contrôle permanent à la direction des risques. J'ai fait l'école de commerce à Lille, l'EDAC Business School, avec une spécialisation juridique et fiscale en dernière année. J'ai d'abord fait un apprentissage dans une compagnie d'assurance, qui était une expérience très, très riche également d'allier les études et déjà la découverte de l'entreprise, qui m'a permis de trouver un emploi assez facilement après, où j'ai travaillé chez BNP Paribas, Real Estate, en région parisienne. Quand on est jeune, vous l'avez dit, vous avez commencé ici en CDD, ça ne vous a pas fait peur ? Non, j'ai pensé qu'il y avait des opportunités et pour moi c'était une façon d'entrer dans le groupe. En montrant mes capacités, mes compétences et ma volonté de travailler dans le groupe pendant cette période en CDD, je mettais toutes les chances de mon côté pour ensuite avoir un emploi plus pérenne. J'ai été recrutée au sein de la direction des risques. Donc, c'est une direction qui s'occupe de la gestion des différents risques, notamment le risque de crédit, le risque opérationnel ou encore le risque de marché. Ma fonction consiste à mettre en place des contrôles sur les procédures qui sont appliquées dans la direction. La particularité du contrôle permanent, c'est qu'on est intégré au service, donc on est au plus proche des collègues. On travaille en proximité et ça nous permet d'avoir une très bonne vision des activités qu'ils ont et de voir les points où il y aurait des améliorations à apporter. Pour moi, le contrôle, c'est avant tout ça, c'est de permettre de progresser. Donc on va émettre des recommandations, proposer des axes de progrès et suivre ensuite la mise en œuvre de ces actions qu'on a pu demander.